Congé des cultures, nous la conjuguons à la troisième personne du pluriel. Et nous le faisons tous les dimanches de 3h30 à 4h PM sur la fréquence plurielle. Le 94.5, notre fréquence à nous, pour nous, avec nous, au pluriel. Pluriel, le magazine culturel de Caraïbes FM. Dans le ça, dans le pluriel, les paroles qu'il s'est fait pour le parler. Bonjour, Joël, toujours qu'il y a un bouton technique, bouton radio à Namel pour le faire manœuvre technique pour nous. Chaque dimanche, depuis les arrivées, je suis toujours avec nous. Définitivement, bonjour, Joël, il y a pour le journaliste qu'il s'est quand même dans la ville. Et nous saluons Jean-Claude Dolcé qui fit à beaucoup de Mac Joël là, je vous dis à l'émission, Jean-Claude qui t'a fauché le fait que Barcelone Bédi, je suis un fanatique malade de Real Madrid. Bon, c'est normal, Barcelone a une faiblesse, je vous dis à tout dedans, pourri, avec une fou. Depuis Barcelone Bédi, je me dis n'importe quoi, je ne peux pas parler de Barcelone. Alors, je salue tous les amis camarades qui écoutent nous, j'aimerais bien dire, dans quatre coins pays. Hein. Et je salue nous avec dinguerie, je dis, hein, puisque il y a un pile monde, je dis, hein, qui parle de rire. Et sourire, il nous va être difficile dans le pays d'Haïti. Ouais, et on rit avec nous-mêmes, qui écoutent nous, dans Jacques Mel, dans Léogane, dans quatre coins pays, hein, dans quatre coins monde. Hein. Patriotes haïtiens, haïtiennes, grand monde, tout le monde, saluez nous à la ronde badet. Et invité m'a pour aujourd'hui, hein, c'est deux invités. Serge Junior, qui c'est au cinéaste, c'est invité m'a et tout. Je saute Léogan, je fais un film qui est les Maoulés. Mon autre invité, qui est même les Rhode Island, dans le moment où on a parlé là, la côté de nous, M. Rélé, Fred Edson de la Fortune. C'est un coquin chaîne poète haïtien, artiste, M. Fépenti, M. Monsieur dans la poésie. Ouais, monsieur, dans le théâtre, monsieur, j'ai attaqué monsieur déjà Gombaye qui passait moi et ma monsieur son scène. Quand on a joué au théâtre, et puis monsieur son couchette qui était sous l'île, monsieur pas de slip sous l'île, couchette là, détaché sous scène, ma besoin d'où, faut monsieur fin jouer pièce lit, bon, pièce fin jouer, bon, vous répétez. Et Fred et son de la fortune, saluez où, côtoyer, et monsieur Rhode Island, monsieur parle pas des noms de. En collection qui n'ont édition, qui est édition Jebka, qui font une collection là, une collection qui est l'immortel. C'est de ça nous allons parler avec Frédéric de la Fortune, avec les amis, Serge Junior, qui lui-même c'est auteur maoulé. On écoute. Je vais demander Frédéric pour le faire contact avec nous. Pendant Marc Joël, la paix, joue un petit musique, Manu Chalmaï pour nous. Marc Joël, toujours un petit Manu, le bon, des fois, un petit Manu Chalmaï. Et les dimanches, on connaît même Manu Chalmaï. C'est soit Marc Joël, bon Manu Chalmaï, ou bien bon petit Paris. Et petit Paris, là, il va être amené net.
si malgré les anti Paris là c'est mon Jacques Mel qui a coûté nous là puisque mon Jacques Mel il aime anti Paris c'est anti Paris et alors anti Paris puisque on connaît anti Paris c'est avec Jacques Mel de même un festival qui est le festival anti Paris Jacques Mel moi mon ne pas faire les quelques temps par contre pour quelle raison mais heureusement et Jacques Mel l'on va être là il est pas là encore qu'on l'autre qui doit placer un festival important pour placer festival anti Paris là c'est Kay Jacques Mel qui est au festival Raram. Salut tout le monde, Kay Jacques Mel. Merci Paris. La fortune soulignant depuis quelques temps, bah quoi, monsieur parler depuis monsieur parti quitter pays d'Haïti, bah quoi, monsieur parler sous radio, comment vous attendez? Bon, salut, Fred, comment est? Alors, bonsoir, bien, on dit tout le monde qui est bien sur Radio Caraïbes avec Télé Caraïbes avec Mondialango. Bonsoir, donc c'est un plaisir pour moi de participer à l'émission plurielle, son émission de jeu Cambé, chaque après-midi, depuis chaque dimanche après-midi, depuis 3h30, mais que je blanche l'émission. Et pas bon, tout dans Odala. Mais comme j'ai tout à dire, on a dit Odala, c'est la VCH qui a pu transmettre l'émission à la direct, dans le moment que m'a parlé à Odala. Alors, je salue tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté. Radio Caraïbes dans le moment ça dans Rhode Island voit via radio ça comme on dit nous qui retransmet l'émission. Comment radio a réglé? La VCH, voix de la communauté haïtienne. Voix de la communauté haïtienne. On salue tout le monde, on salue Radio. Et Fred, on va aller rapidement. Et où nous on travaille pour une édition là, qui est les GPK, et où particulièrement attaché avec une collection qui est l'Immortel. Parle-nous de collection ça.
Et la collection alimentaire, c'est un cousin de son collection qui m'a édition webcast, c'est mon même cadre de collection. Hein. Donc, mon cousin fait partie des webcast et avec appel que j'ai pu faire avec moi, qui c'est de Louisville, Israël. Donc, je suis dit que c'est une fraîche qui peut parler de moi, donc il s'était fait appel à elle pour mon écoutement. Dans l'édition. Et nous avons dit que nous pas de problème, et donc à travers ensemble, et puis c'est comme ça, collection immortelle d'une grande essence. Donc, pendant la parole là, nous avons 7 livres qui fait sortir la collection là. Nous avons des gens qui sont pour être haïtiens, nous avons vu au Cap, et un jeune poète. Et nous avons les livres Trans, et au pluriel, T-R-A-N-S-E-S. Et qui paraît dans la collection. Nous avons un cadre de mentor que vous connaissez très bien. Nous avons un livre dans la collection qui est le livre La Ville. Et puis nous avons Denis Bernard qui est le chant des livres, un très bon livre. Et puis nous avons Diane de Coteau qui est un livre de Charlie, donc c'est Haïku, son livre Haïku qui est parfois unique. Oui, Haïku, afin de rappeler son genre poétique, c'est son modèle poésie japonais et un canadien. Uh-huh. Exactement. Et puis après ça, nous avons Jean-Denis Joachim, qui va venir tout la collection en tout avec le quartier, le Saint-Denis, quartier. Uh-huh. Et puis il y a Abdelmajid Benzeloun, qui est un grand écrivain marocain. Et qui... Bah, moi, Abdelmajid, c'est un ami personnel. Et puis il y a un bel livre dans l'édition qui est une collection qui est Tout est orgasme. Okay. Et c'est un livre et moi conseille tout le monde, c'est un très bon livre, Tout est orgasme. Et puis après ça, il y a un tour qui vient de tout dans chaque livre qui part avec ma collection là. Et lui parmi les Silex. Donc c'est un livre qui. Silex. 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 Ouais. S-I-L-E-X. Silex. Quand tu vois. Oui. Oui, et frère, donc, n'importe livre qu'a publié dans collection ça. Est-ce que n'importe livre qu'a publié n'importe qui genre? Bon, premièrement, collection c'est son collection de poésie, de façon dont il y a une collection, par exemple. Et j'ai regardé notre collection, par exemple, Jean-Denis Joachim, qui est responsable de collection de livres en créole, qui est les feuilles libres. Et puis, il y a de notre collection, par exemple, les traductions, tant qu'un livre qui traduit, livre qui écrit en anglais, qui est traduit en créole. Mais l'immortel lui-même, son collection, et c'est publié de poésie francophone. Ok. Mais comment on a publié l'édition, Jebka? C'est facile, et nous sommes capables d'aller sur le website là, qui c'est www.jebkaedition.org, jebkaedition.org. Donc, le livre sur le website là, pour qu'on puisse marquer contact, nous sommes capables de cliquer sur contact, et puis, il y a un email, côté que nous capables de soumettre, puis un téléphone dans tout, et qui sur le site là tout, donc nous sommes capables de contacter par téléphone, ou bien capables juste de voir manuscrit à ce email là qui est sur le site là. Et pendant plusieurs années, toujours présent, c'est Jebka dans Livre en Folie. Est-ce que Andissa Jebka a plat, est-ce que livre ça aussi sorti dans la collection L'Immortel à plat dans Livre en Folie, Andissa? Oui, effectivement, et tout livre qui fait sortir dans la collection L'Immortel à présent. Dans Livre en Folie, c'est avec Communication Plus, système Communication Plus, et nous avons deux auteurs qui ont collection en capacité à suivre dans Livre en Folie, c'est Mika Dolce-Montor, avec Eli Fenza, lui-même qui a enseigné à suivre, qui a une possibilité pour signer les livres dans Livre en Folie. Il faut qu'on dise que, comme Livre en Folie a sorti le 26 et 27 mai à Nissa, et donc 28 mai qui a commencé à midi, et collection à Jacmel, a une belle et candidat où pour me répéter. Donc, tout le monde qui a passé le jeu, mais il est capable de bénéficier d'un rabais de
30% à partir de prix original livré. Si on a dit qu'un jeune dans l'Ivafolie, donc mon gars est capable de jeune livré le 28 mai dans la Cour Europe. Ok. Côté nous soutiens avec les collections, côté l'idée ça soutient. Puisque moi, les collections, elles permettent qu'en pile, écrivain haïtien, eux-mêmes, ils ont publié les vieux. Et au cas où, on qui côté l'idée pour faire une collection comme ça sorti. Puisque moi, collection ça, les permettent un plusieurs écrivains haïtiens qu'on connaît et publier les vieux là. Ok, quand j'en disais tout à l'heure, donc c'est à partir de collaboration ensemble avec l'édition JK. Mais par exemple, quand on a le fait que nous avons, par exemple, il y a des collections de cuisine qu'on a qui présentent chiffres, comme si nous avons fait un sort de bagages claniques. Mais nous-mêmes, la collection alimentaire, quel que soit pour être là, l'édition est qui bon, donc en termes de l'édition là bon. Donc, collection ouverte avec nous. Donc, nous n'avons pas dans le clan, nous n'avons pas dans le magasin. Ok, je me pose une autre question qui parle de mon rapport avec moi, puisque mon livre de théâtre, ma peine fini là, mon pièce de théâtre, je fait écrit. Maintenant, je connais ce que j'ai capable de théâtre. Alors, on ne peut pas parler des collections, puisque je connais les collections, c'est poésie exclusivement. Est-ce que j'ai capable publier théâtre? Oh oui, j'ai capé toute qualité. J'ai capé poésie, essai, roman, théâtre. Et par exemple, j'ai capé publier un livre sur le football pour Patrice Dumont, etc. Donc, oui, lis ça, mon collègue, ça, l'abstient. Et livre Patrice Dumont fait sur football, l'abstient dans Araka. Oui, parce qu'il y a un cas un jour qui est venu là, oui. Et quoi, c'est 18 avril. Si je ne me trompe pas, je cherche d'être là bien pour moi. Je cherche d'être là, je vais aller bien. Bon, Fred, on ne compte pas la voir, puisque on connaît bien depuis quelques temps, on n'a pas parlé. Et sous l'émission, quelques temps, on n'a pas fait parler. Oui, au contraire, je n'ai pas beaucoup parlé et anecdote, histoire qui peut arriver dans ce scène, dans la bibliothèque. Étoile filante, nous avons une pièce théâtre et puis l'arrivée au même beau acte. Et puis c'est un moment sa couchette qui était sous elle tombée. Mais au même connaissons un homme qui désordre ou pas, mais au moment où on est marché sans caleçon. Mon cher, nous faisons théâtre là, on l'autre jeune accompagné festival 4 chemins. Et côté où on est et depuis quelques temps, c'est Guérigi Junior qui a tête festival là. Accompagné monsieur comme attaché de presse pour festival là, Wesam Doulan. Okay. Et c'est son travail qui est important pour théâtre là, puisqu'on connaît bon théâtre en général, c'est pas priorité radio. Donc il faut que quelqu'un qui parle et parole théâtrale dans la radio. Donc c'est pour ça que nous plus coller beaucoup de guides, puisque nous avons des guides en pleine volonté pour théâtre et l'irrité campédium dans le pays. C'est ce qu'il serait là. Fred, nous comptons pas la voix. J'espère que le dimanche encore, on a fait un petit parler et sous édition 1. Avant livre en folie pour me caber un petit espace pour faire pour faire bruit sous collection. Mais pas de problème à bien et nous ouvert pour vous mettre vos manuscrits et nous connaissons très bien à qui nous comptons avec les professionnels qui travaillent sur les gens qui cherchent les Je vais vous faire un peu de temps.